Je vous le dis en vérité, tous ceux qui fêtent la Noël reçoivent le chiffre 666, le chiffre de la bête, la marque du mensonge, la marque de la fausseté, parce que cette fête est une fausseté, c'est une invention païenne. Et la religion qui a inventé cette fête, voilà, c'est cette religion qui vient d'autoriser le mariage homosexuel. Donc si vous fêtez la Noël, vous êtes en train de célébrer tout ce qui se passe dans cette religion. Sortez! Jésus n'est pas né 25 décembre. Et Jésus n'est pas né pour qu'on fête sa naissance. Mais Jésus-Christ est venu sur la terre pour la repentance. Pour que les hommes se repentent. Et toi, tu dis, je suis né catholique. Je vais mourir catholique. Mais dedans, derrière le mur, il y a quelque chose qui t'attend. Tes yeux ne voient pas. Tes yeux ne voient pas. C'est pour ça que le Seigneur dit, laissez-les. Laissez ce qui peut tuer votre corps, mais ne peut pas tuer votre âme. Moi qui suis capable de tuer le corps et l'âme, je les attends là-bas. Je les attends. Je les attends. Je les attends. Derrière là-bas. Au portail là-bas. Je les attends. Les francs-maçons qui ont rejeté le véritable Dieu, je les attends là-bas. Si c'est Lucifer, nous, Lucifer ouais, qui les a créés, et ils ont vendu leur âme à Lucifer, ça, à de leur Lucifer, vivant là, quand ils vont quitter ce corps, je les attends là-bas. Dis-leur. Dis-leur, je les attends là-bas. Eux qui ont vendu leur âme pour dire, je vis comme je veux sur la terre. Je m'en fous. Dis-leur, je les attends là-bas. Il t'attend. Ce Dieu que tu méprises, il t'attend là-bas. Cette nuit, cette nuit même, si ton soupe finit, tu vas le trouver là-bas. C'est la première réalité dans laquelle tu vas te trouver. Juste quand ton souffle va faire, tu seras face à la réalité. Ne vois pas quelqu'un pour dire, ah non, ah, il prêche bien. Il prêche bien. Est-ce que tu l'as sondé? Faut vérifier les fruits qu'il porte. Parce que la parole dit, vous connaîtrez un arbre par les fruits qu'il porte. Si c'est un bon arbre, tu verras les bons fruits. Mais si c'est un arbre maléfique, tu verras ses fruits. Les prophètes, ceux qui portent le titre prophète, et qui normalement seront des sentinelles qui doivent crier pour avertir l'humanité, pour appeler l'humanité à la repentance aujourd'hui.
Nous avons quel prophète? Des prophètes choco. Des prophètes mamailleurs. Des prophètes menteurs. Qui prophétisent du mensonge. Des prophètes qui n'ont jamais reçu un message de Dieu. Mais qui reçoit un message de leur cœur. Leur cœur rempli de cupidité. C'est le prophète que cette génération a. Et cette génération, comme ils ont aussi reçu la marque de la flétrissure, la marque de la fausseté, ils aussi acclament le faux prophète. Et les vrais, bon, non, le. Les vrais serviteurs, non, qui vont leur parler de repentance, qui vont leur parler de la sanctification, sont méprisés, et donc, rejetés. Les prophètes ne sont que du vent. Et personne ne parle en eux. Personne. Ne parle en eux. Est-ce que tu as compris? On n'a pas dit personne ne parle parmi eux. Hein? Personne ne parle en eux. Quand ils disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, en 2024, l'année de rose, l'année de prospérité, l'année de ton mariage, l'année de ci, l'année de ça. Mais il ne te dira jamais 2024, année de ta repentance. Il ne te dira jamais ça. Personne ne parle en eux. Le véritable Dieu ne parle pas en eux. Et il ne les connaît pas. Quand il finit de prophétiser, ils vont faire sortir le carton d'huile d'onction. C'est Dieu même qui m'a révélé ça. C'est les anges même qui m'ont aidé à préparer ça. C'est eux-mêmes qui m'ont aidé à verser dans la bouteille. Donc ça là, Dieu m'a dit, celui qui va utiliser ça, chaque matin, sans intégrer, et prononcer somme telle somme, toutes les portes seront ouvertes. Va voir les hommes en train de se cogner pour aller prendre. Aujourd'hui, l'éducation au plomb qui est donnée aux enfants d'aujourd'hui, c'est une éducation pour faire d'eux des abominations demain. Vous allez voir des enfants de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans, faire des choses. Et vous serez étonné. Et vous allez vous demander, il a quel âge? Et certains parents vont voir que non. Mon enfant, c'est un génie. Hein? Mon enfant, c'est un génie. On a tellement parlé des dessins animés. Aujourd'hui, c'est le dessin animé qui éduque les enfants à la maison. Les Disney, les Disney Tinitoon. Mais quand vous regardez ces dessins animés, les images sont conçues pour initier les enfants à la pornographie, à la sorcellerie, au braquage,
mariage, à l'homosexualité, au lesbianisme. Toi, tu n'as pas le temps, tu ne suis pas. Tu lui remets seulement la télécommande. Et tu dis non, c'est non. Il faut qu'il soit, qu'il se divertisse. Il faut qu'il s'amuse. Et les animaux font comme ça. Dans le quand il a non le bleu. C'est Satan qui te fait ça. Satan, non, bleu. Parfois même, on laisse le portable à la portée des enfants. Nous vilains. Et les enfants commencent par pousser leur curiosité. Pour aller découvrir les choses. Et quand ils commencent par découvrir ces choses, toi tu ne sauras rien. Parfois, quand tu dors, oui, là, tu il prend ton portable il et se met en cachette. Bon, pour fouiller. Il sait où on trouve les choses. Et tout file dans mon lait, peut-être que toi-même, tu ne sais pas. C'est pourquoi je te dis, et où tu andes, oui? Ne laisse plus ton portable à la portée de tes enfants. Leur cahier, leur ardoise. Oui, ça s'arrête là. Et faut finir. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les enfants sont capables de tout. Parce qu'ils voient des choses que leurs yeux ne devraient jamais voir avant l'âge adulte. Oh, l'âge de 4 ans, 5 ans, il connaît déjà tout. Toi, tu penses qu'il ne connaît rien. Parfois, les parents même vont se mettre nus devant leurs enfants. Tu penses qu'ils ne connaissent rien. Le jour où son cerveau va commencer par capter les choses, est-ce que son cerveau va t'avertir? Non. Moi, je vous dis, il y a des images que mon cerveau a gardées. Au bon, moment où j'étais encore à quatre pattes, là, il y a des images que mon cerveau a captées qui sont encore dans ma tête alors que j'étais encore à quatre pattes. Je vous dis la vérité. Donc, quel que soit l'âge de ton enfant, même si c'est bébé, ne te mets plus jamais nu devant lui. Tu es en train de l'initier à la sexualité précoce. Je te dis la vérité. Même s'il est encore au lait, si tu finis de te toucher et tu veux le toucher, il faut te couvrir d'abord. Couvre ta nudité. Peuple de Dieu, le Seigneur demandera le compte à chaque individu. Le Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, celui qui règne d'éternité en éternité, tu vas acclamer, tu vas l'acclamer, 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 tu vas l'acclamer.